Mes chers amis, regardez comme ce sentier, comme ça, nous inspire à avancer et à progresser. C'est un petit peu la métaphore que je voudrais vous partager aujourd'hui. Quand moi j'ai un projet, une chose est très importante, ce qui va me donner beaucoup d'ampleur dans la réalisation de mes propres projets, eh bien, c'est d'apprendre à élaguer tout ce qui n'est pas en lien avec la qualité de ce projet. Et pour ça, c'est un peu comme ce sentier, vous voyez, il y a des pierres, il y a des pavés, il y a des roches, et au fond, il y a cet édifice auquel j'aspire, qui lui est constitué, évidemment, c'est un événement, hein, c'est un événement que je pourrais avoir pour 4 mois, 5 mois, 6 mois, par exemple, à la fin de l'année. Et puis, pour atteindre cet événement, qui est une priorité pour moi importante dans mon évolution professionnelle, eh bien, je me dis, quelles sont les quelques grosses roches qui ont besoin d'être franchis, d'être mis en place, d'être construites en fait, pour garantir l'atteinte de ce résultat. Et la force de la clarté dans ce domaine, de se représenter ça un peu en 3D, eh bien, c'est surtout d'éviter en fait, d'être aspiré par plein de choses qui n'ont plus rien à voir avec ce projet et qui va faire que du coup, ce projet va un petit peu disparaître parce que je tourne et papillonne un petit peu à travers tout ce qui est autour. Et donc, ce chemin de vie, là, vous voyez, c'est vraiment une prise de conscience importante, une représentation qu'on peut se construire dans la vie, que ce soit par rapport à son couple, par exemple. Qu'est-ce que j'ai envie de forger, de mettre en place, de faire grandir dans mon couple, dans ma famille, dans mes relations avec mes enfants, que ce soit dans mon domaine professionnel, par exemple. Quel est le projet phare que j'ai pour les 3 mois ou les 6 mois qui viennent? Et puis surtout, qu'est-ce que j'ai à mettre en place? Et surtout, qu'est-ce que j'ai à éliminer pour donner toute la priorité à ce projet? Bref, quels que soient les domaines de vie, ouais, suivre sa ligne de course, c'est gagner en puissance, en clarté et par conséquent en chance de réussite et surtout en plaisir d'avancer vers ce à quoi vous aspirez d'abord. Donc c'est toujours une affaire de priorité. Voilà, une petite métaphore comme ça que je trouvais intéressante. Donc voilà, un truc que je voulais vous partager important parce que ça fait une vraie différence pour moi. Ciao! Yeah!